No cogis sa man devolu equation part 1, one step solving. Ok, numéro 1, sa part si A. Se te nan x plus 5 égale 9. Ok, de sa question la, on prend plus 5, on va voler de côté. Une x égale 9 retire 5, x pour 24. De tout bonne question, vous êtes chez réponse. Est-ce qu'il la vérité 4 plus 5 vint 9? Oui. Allez, part B. Part B, on a z plus 2 égale 18. Ok, plus 2, on va de l'autre côté, devine z égale 18, retirer 2, z pour 16, ça c'est vos réponses. Next part C, où on a y plus 7 égale négative 3. Ok, là-dedans, si nous prenons positive 7, on va de l'autre côté, y pour négative 3, retirer 7, y vint, négative 10. Next part D. Part D, où on a m plus 13 égale négative 14. Ok, plus 13, on envoie l'autre côté, m pour vin, négative 14, retirer 13, m pour vin, négative 27, ça c'est vos réponses. Ok, on arrive partie E. Partie E, où on a z plus 20 égale 20. Right, de sa question là, on prend positif 20, on envoie l'autre côté, divine z égale 20, retirer 20, réponse z pour vin, 0. Partie F, où on a 10 plus t égale 32, ça 10 ça n'a pas de côté, t pour 20, 32, retirer 10, t pour 20, 20, 22. Next, partie G, on a a plus 12 égale négative 19, ok, plus 12, n'a pas de côté, a 20, négative 19, retirer 12, a pour 20, négative 31. Next, on arrive partie H, on a B plus 2.8 égale 5, fais bien attention avec open operation, positif 2.8, non, on va de l'autre côté, B pour 20, 5 retiré 2.8, fais bien attention, 5 retiré 2.8, 0, 5 points de prêté, 10, divine 2, divine 2.2, ça veut dire B pour 20, 2.2, ça c'est réponse partie H. Next, partie I, ne check partie I. Partie I, on a C plus half égale 4. Plus half, on a de l'autre côté. C pour 20, 4 retirer half. 4, si vous retirez half, vous mettez donc 1 ou fois 2, fois 2. Et bien 8 sur 2 retirez half, faites-toi 7 sur 2. Et 7 sur 2, si vous faites 8 minutes, c'est en bas, 3 n sur 2. Alors c'est 20, 3 n sur 2. Next, partie J. Partie J, on a S plus 0.9 égale n.6. Ok, plus 0.9, on va le côté, devine S égale n.6, retire 0.9, nous calculer, 6 retire 9, nous prenons prêté, devine 7, réponse 1, 0.7. Next, on a réparti K, partie K, on a E plus NK égale 7, là, là, E pour vin, 7 retirer NK, E pour vin, nous obtenons, vous vin, 6, 3 K, réponse 1, 6, 3 K. Next, partie L, on a V. Plus V plus 2 sur 3 égale 5 n tiers. Ok, plus 2 sur 3, on avait le côté, divine V égale 5 n tiers. Retirer 2 sur 3, ou qu'on fait divine mixed numbers, improper fraction, 5 fois avec 15 plus n fait 16. 16 sur 3, retirer 2 sur 3, on va continuer de voir là-haut. V pour vin, 16 retirer 2 fait 14 sur 3, on fait divine mixed number, divine 4, 2 sur 3, ça c'est réponse pour partie L. Question 2, partie A. On a x retiré 6 égale 15. Dans sa question là, on prend négative 6 fois de l'autre côté. Devine x égale 15 plus 6. Et x pour 20, 21. Partie B, on a z retiré 24 égale 19. Ok, dans sa question là, on va prendre négative 24 avec l'autre côté. Z pour 20, 19 plus 24. Et 19 plus 24 fait combien? 19, 24. 9 plus 4 fait 13, fait 43. Z vin, 43. Next, on arrive, partie C. Partie C, on a M retire 14 égale 18. Négative 14, on va le côté. M vin 18 plus 14. Au cas ajouté, vous trouvez réponse pour vin, 32. Next, partie D, on a U retire 9 égale négative 7. Négative 9, on va le côté. U vin, négative 7 plus 9. Réponse vin, positive 2, ou soit tout simplement 2. Partie E, on analyse partie E, on a W, retirer N égale 0, de sa question-là, négative N, on va de l'autre côté, W vin, 0 plus N, réponse pour vin, N.
partie F, où on a T retiré 10 égale négatif 4. Là, on prend négatif 10 sur l'autre côté, devine T égale négatif 4 plus 10, devine positif 6, soit 6. Numéro 2, ce partie G, où on a A retiré N sur 8 égale 3, négatif N sur 8 sur l'autre côté, A devine 3 plus N sur 8, et que réponse devine 3 N sur 8, mixed number. Ok, et dernière partie H, on a B retiré 2.3 égale négative 3.9. Ok, dans cette question-là, on prend négative 2.3 vers le côté, B pour venir, négative 3.9 plus 2.3. Ça, des voilà, vous en faites bien attention. Parce que quand on a des signes différents, vous en pensez que stronger, négative, stronger, et là, vous en faites la différence entre 3.9 et 2.3. 9 retire 3 fait 6, 3 retire 2 fait n, réponse 1, négative n.6. Question 3, là où on a une multiplication, partie A. On a 3x égale 24, rappelle bien 3p fois avec x, ou avec l'autre côté, x vint 24 divisé par 3, x vint 8, partie A. Partie B, où on a 5 fois m égale 100. 5p fois avec m, on va le côté, m pour vin, 100 divisé par 5, m vin, 20. Partie C, où on a 19 fois y égale 38, 19p fois avec y, on va aller là-bas, il vin 38 divisé par 19, y vin, 2. Next, partie D, où on a 2z égale négatif 5, 2p fois, on va là-bas, il vin z égale négatif 5 divisé par 2. Ok, fais bien attention. Négatif, positif, quand j'en ai négatif, 5 divisé par 2 fait 2.5. Réponse B, négatif 2.5. Partie E, là, fais attention. Négatif 8 fois A égale 16. Get bien, négatif 8 fois avec A. Ok, de là, A, bien, 16 divisé par négatif 8. Ok, rappelle bien, négatif 8 là, fois avec A. On va là-bas, bien, divisé par négatif 8. Positif, négatif, cause 1, négatif, 16 divisé par 8 fait 2. Ça, c'est partie E. Partie F, où on a négatif, 9 qui fait fois avec E égale négatif 36. Négatif 9, on va là-bas, il y a A égale négatif 36 divisé par négatif 9. Et là, A, je peux trouver les bovines. Positive 4, parce que négatif, négatif, bovine, positive. Partie G, où on a 0.5, B égale 2.05. Là-dedans, 0.5 p fois avec b, ou avec là-bas, 2.05, divisé par 0.5, au bout de décimal, au bout, ou ajoute, au bout de décimal, la b, p, v, 205, divisé par 50, nous divise par 5, là, en bas, pour simplifier, là-haut, p, v, 41, en bas, p, v, 10, et 41, divisé par 10, fait 4.n. Dernière partie H. Partie H, on a négatif 0.2 qui peut fois avec I et U égale n.8. Négatif 0.2 peut fois avec U. On va le côté, divine n.8 divise par négatif 0.2. Positif, négatif, quand nous avons pour une négative. N.8 divise par 0.2, nous pouvons boost décimal. N décimal là, oui, en bas, nous pouvons une 18 divise par 2, nous pouvons une négative 9. Question 4, là nous avons une division pour occuper, partie A, on a x divise par 3 égale 12, divise par 3, on va l'autre côté des bovines, x égale 12 fois 3. Là, x bovine 12 fois 3 fait 36. Partie B, on a là où fait attention, négatif z over 6 égale 9. Alors pour partie B, là, on peut vous autres méthode N. Vous rappelez méthode N, je vais vous expliquer dans la vidéo. Là-dedans, pour faire Z, vin tout seul, ou pas pour besoin fois par 6. Ou pour besoin fois par, si vous fois par 6, ok, 6 pour couper, c'est ça négative là, pas pour aller. Ou besoin fois par négative 6. Quand vous fois par négative 6, les là, les vin positif Z, côté droit, et sous fois avec négative 6, réponse 9 fois négative 6 fait négative 54. Ok, ça c'est méthode N. Mais partie B, là, vous pouvez expliquer Z avec méthode 2. Partie B, ça va être la négative Z sur 6 égale 9. Et là, nous sommes capables de considérer comme ça. Sa négative là, mon question des mots. Alors, qui des signes qui ont besoin de négatif, positif et négatif, qui ont besoin de négatif et négatif, positif, qui ont besoin de négatif. Alors, sa négative là, mon peut écrire comme ça. Positif Z, ou va négatif Z, ou va négatif 6. Parce que positif, négatif là, il a besoin de négatif même. Ça peut égale 9. Là, 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 où là, les dessins positif Z, c'est tout simplement Z. L'eau négatif 6 égale 9. Là, là, négatif 6 là, Z peut divise par négatif 6 égale 9. Là, l'IP divise par négatif 6, donc on va aller de l'autre côté, il faut 9 fois négatif 6.
Là, z pour vin, positive, negative, cause 1, negative, 9 fois 6 fait 54, réponse vin, negative, 54. À l'époque, tu sais, il passe à difficile là, y over 4 égale negative 5. Là-dedans, y peut divise par 4 égale negative 5. Divise par 4, ouvrez là-bas, y pour vin, négative 5 fois 4. La y vin, négative, positive, cause 1, vin, négative, 5 fois 4 fait 20, réponse vin, négative, 20. Parti D, ce qui dit petit à toi, on a y lo 13 égale négative n, y peut divise par 13 égale négative n, divise par 13, on va là-bas, il y a négative n fois 13, réponse pour vin, négative, positive, cause 1, négative, n fois 13 fait 13, réponse vin, négative 13. Parti E, pareil, on a négative m, qui peut divise par 2 égale 10, ça ou pas écrit comme ça, m lo négative 2. Parce que là, on prend positive égale 10. Ça veut dire qu'on a positive m peut divise par négative 2 égale 10. Et là, il peut divise par négative 2, on va là-bas. M pour vin, 10 fois négative 2 et 10 fois négative 2, réponse vin, négative 20. Partie F nous fait pareil. Partie F, on a négative A sur 10 égale négative 10. Donc, on va écrire comme ça, qu'assassinant des mots. Négative 10 égale négative 10. Positive A, A est positive, nous peut divise par négative 10 égale négative 10. Divise par négative 10, nous avons l'autre côté. A pour vin, négative 10, fois négative 10. A pour vin, positive 100. Next partie G, nous avons négative A sur 7 égale négative 8. Là-dedans, pareil, nous cassons des mots sur ça, c'est là. Négative 8, là où on a positive A qui peut divise avec négative 7 égale négative 8. Ça divisé par négative 7, là, nous avons l'autre côté. A vin. Négative 8 fois négative 7, réponse bien positive 56. Et dernier, partie H, où on a B divise par 0.3 égale négative 4. B peut divise par 0.3, réponse bien négative 4. Divise par 0.3, on va là-bas, les bien. Négative 4 fois 0.3. Allez, guide, comment on fait calcul là? Pas un travail pour presser ça. On a négative et positive, besoin de trouver négative. À 4 fois 0.3, nous avons un décimal, les bien 4 fois 3 fait 12. Nous retournons ça un décimal là. Les bien, négative n.2 pour partie H.